suite de Last of Us. Let's go. On joue le personnage d'Ellie. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous vous seriez bien entendues, toutes les deux. Sarah, sa fille est morte, si jamais. Et je suis sûr qu'elle aussi. D'accord. Ceux qui n'ont pas suivi le début, sinon vous pouvez voir les anciens épisodes sur la chaîne YouTube Inside Espace TV. Je monte comment, moi ? Là, je te tiens. Donne-moi la main. Yeah. Allez, viens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Tess Mercer. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Ouf. Je te le jure. Putain, il est remonté en face à face. Putain les gars, c'est fini, je suis choqué. Putain, je pensais pas que ça finissait comme ça. Hein. On va faire les chapitres supplémentaires qu'il y a dans le jeu. Attends, juste le chargement. Les Lucioles ? Baisse-toi ! Oh ! Putain, mais c'est qui ces types ? Connard ! Mets ton bras sur moi. Allez. Allez. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde. Joël ! Attends. Ah ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël !
Riley. Aïe. Toi, j'ai atterri sur la hanche. Putain. J'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais. C'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non? Je t'ai pas vu depuis... Je sais même pas combien de temps. 3 ans. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Liz pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il n'y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé hey. T'es fâchée? Si je suis fâchée... J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Let's go. Je suis trop débile. Oh. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi. Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier. Voilà. Ok. Je vais te retourner. Ah, il met plein de petits bouts mélangeurs. C'était quoi? C'était quoi le truc dans le bide, là? Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre, ok? Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je vais y arriver. Ok. Bon, je vais où maintenant? Putain, j'ai un flingue même pas chargé. Et rien. T'as un coup ralenti là. Pharmacie Weston. Pile poil ce qu'il me faut. Ma lampe. Du coup, on doit trouver du fil et une aiguille. Oh, je rêve. Il a gobé les médocs et laissé la boîte.
Allez. Et évidemment, ils ont tout dévalisé. Putain, je sens qu'il y a un marcheur ici. Mais rien. On a peut-être. Ah. Peut-être là. Ou là. Y a rien. Un autre tiroir là. Le pharmacien. Il aura peut-être quelque chose sur lui. Oh, allez. Un kit de secours. Je suis sûr qu'il y a le pharmacien là-dedans. Comment je fais pour qui se transforme. Les clés là. Putain, j'ai rien. Ouvre la porte. Un truc là. Un tournevis, un machin là. J'ouvre cette porte là. Trouver la clé. Trente-cinq à droite, trente à gauche, trente et un à droite. Impec. Trouver la clé ici pour la porte de la pharmacie.
J'ai même pas de balles en plus. Cette musique de merde là. Ça fait flipper hein. T'as pas là où cette clé? Il me la casse. Sérieux, rien là-dedans. Il faut le tour en courant là. Je crois qu'il y a rien. Là en bas, il y a rien. On se casse. On va aller en bas, on va voir si y a un truc. Ça semble pas ouvrir. Ah là, peut-être. Ça met astuce, mais c'est où? Ah, c'est à l'étage, putain, je dois remonter. Ok, c'est au fond du magasin. On a loupé un truc, ça veut dire. Oh, Burke. Ressuscite pas, ressuscite pas. Y'a rien. Mais c'est le pharmacien, c'est lui en fait. Nickel. Oh merde. Ah.
crevé quoi. On a été pour ouvrir la porte. Oui. Non. Y a rien. Putain. Tout ça pour rien. Accroche-toi, Joël. T'as même pas de munitions et rien. Ah, pas par là. Oh, c'est trop haut pour moi. Que des petits chemins quoi. Oh. Ah, je pourrais pas faire de suture. Bon, je me contenterai de ça. On est là-bas, on va faire le tour. Ah merde, on peut pas faire le tour de ce côté. C'est parti. Que ce merde. Dépêche. Là-haut. Ah mais ça met plein de scènes en même temps en fait. Ce qui s'est passé dans le temps. Eh ben. Ça se met une autre partie. C'était rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. Dis, comment tu t'y es pris ? Pour les lucioles ? Ouais. Tu te souviens de la luciole que t'as mordue pour lui piquer son flingue ? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est Trevor. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur ? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit... Elle m'a mis du temps. Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une luciole ? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. Non, mais nous. Et t'as trouvé la lumière ? Oh, ah ah ah. Oh, désolé, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors, t'es à fond dans leur trip maintenant ? Je t'assure que je suis pas un soldat. Bonjour, mon cul. L'urgence pour infecter tout le temps. Il le cache bien, c'est tout. Ne dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés. Oh merde, planque-toi!
Pardon. Je suis un peu sur les nerfs, là. Fais gaffe, ça glisse. Eh, dis. Et si je rejoignais les lucioles? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Hé, tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? J'ai une surprise pour toi. Quoi? C'est un dinosaure? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets? Tu déconnes? Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus? Bien sûr que non. J'ai farfouillé dans son bureau. Riley, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Mais je me suis fait pincer. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. On va tu voir le moment où elle a perdu sa poète, je crois. Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Ce chapitre. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûr? Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux? Non, ça va. Plus pour moi. Je pourrais pas, les gars. À la tienne, Winston. Ouh! C'est fort. Allez. Vas-y, princesse. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre Juno. Elle doit être terrorisée. Merde. Ellie, aide-moi à lever ça. Je déteste ramper là-dessus. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète. Tu me suis. Heureusement qu'elle n'est pas passée. Hein. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Hé, hey, Matza, il y a un passage ici. C'est où je regardais en plus. Vas-y. Let's go. Et sois prudente. Comme d'habitude. Riley? Ça fait deux fois aujourd'hui! Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley! Parfait! Regarde-toi. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Enfile-le! C'est débile. Ouais, ça le fait.
grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur! Ok, on se dit ça. J'adore! Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Waouh, regarde-moi tous ces trucs. Ah, j'ai une idée. Tu vois ces voitures en bas? Ouais, toi tu prends la rouge et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit répondre à une question. Mais sincèrement. C'est vérité ou vérité, c'est ça? Ok, bouffonne. C'est parti. Quoi? Let's go. Non. Et boum. Ah, chier. Tiens. Ouais. Allez. De vitre. Putain, ouais. Dans le mille. Plus qu'une. Plus qu'une. I win this match. DS des briques. Les vitres de la mienne étaient plus solides. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bon, c'est l'heure de la question. Trop de la brique. J'ai peur. Oh, t'as pas dit pourquoi tu m'as envoyé chier? Pose-moi cette question. Ok. Tu sais quoi? C'est bon. Je te laisse tranquille. Putain, j'ai même pas pu répondre. Ok. Viens. C'est quoi ces conneries? Faut que je te montre un truc. On y passe. J'ai fait trop long. Ah, c'est nul. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Ben, suis-moi. Donc, tu vois, toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, on a tout allumé là? C'est ce qu'on va voir. Salut, Serena Latino.
Ça se parle, elle est partie où? T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire, et... je suis contente que tu sois en vie. Enfin... je suis contente qu'on se soit retrouvés, et... je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Je te le jure. Riley, t'es une vraie sentimentale. C'est toi qui as commencé. Oh, c'est pas vrai. T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai? Ça se merde, ça peut gueule. Ah, la suite, avec l'hélico. Comment je vais pour aller là-haut? Let's go. L'armée. Comment ça marche ce truc? Suivre les câbles. Pas vrai, Joël? Ah, il me donne des balles. Elle est gelée. Putain! Tu vas me tuer ou quoi? Plus en plus de balles, c'est bizarre tout ça. Elle a même pas chargé, pourquoi elle arrive pas à le charger?
Ok. On va essayer d'aller par là. Sans se péter la gueule, bien sûr. Monte là-haut. Oui, que j'aille où, je comprends pas. What the fuck? Je monte là-dessus, on est libre. Bizarre. Putain, il fallait que je saute là. Sous tes boules. On va recommencer. Mais pourquoi elle saute pas? C'est même pas là-bas. Toujours avec quoi? Ouvrez la porte du garage. J'ouvre comment cette porte, putain? Ça commence à me les casser tout ça. Une astuce, un truc. Là, il y a un câble.
Un truc dans le fourgon là. Mais je trouve comment ta porte? Quelqu'un qui sait comment ouvrir la porte là? C'est bizarre. Non, c'est avec le couteau qu'on ouvre les serrures, mais là ça marche pas. Je pense qu'on va casser la vitre ici. Un truc dans le fourgon. C'est pas ça, fait chier. Il faut du jus. Ah, je vois. Merde. Oh, rien. Il faut du jus, il faut de l'essence, il faut 20 000 trucs là. Vide. Putain, maintenant je dois siphonner de l'essence carrément. Putain. Toi, il y en a d'autres là, non? C'est des enfoirés, ça je l'ai dû d'ici, tu vois. Genre je suis mort d'ici alors vraiment je suis tombé d'ici. Putain, c'est quoi ces conneries? Oh my god.
je repasse le sprint. Bon, je crois que je les ai tous tués. C'est fini. On dirait bien. De l'essence. Ah, oh, c'est vide. C'est vide. Il serait pour que je me tape tous les camions. Ah, bingo. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je prends le tuyau et... Tu souffles, les armontes. J'ai plié ma race. Bon, c'est noté. On ne touche pas à l'eau électrifiée. Figé.
Regarde devant toi. Tout va bien se passer. Tu vas pas tomber dans l'eau. C'est bon les gars, let's go. Rien là. Quelle saloperie. Ouais, je vous entends. Mort ou pas?
secours à la case départ. C'est monté dans l'hélico là, mais. Je crois pas pourquoi pas ça là. Oh merde. Ok, du calme. Merde. Attends, si je tombe, je vais me faire dévorer en bas. Trousse de secours, parfait. Les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette Luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Bon, on fait la suite demain, allez, les gars. Cool.